Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 34e épisode en Let's Play Live sur Twitch sur Pokémon version platine. Dans l'épisode précédent, on est arrivé à Jolyberge, on était déjà arrivé à Jolyberge, on a affronté l'arène, enfin on a passé l'arène, on a obtenu notre badge. Ensuite, on a été à l'île de Fer pour récupérer la CS Force. Mais voilà, on s'est juste arrêté à l'entrée des îles de Fer. Et maintenant, on va visiter un petit peu les grottes. On a rencontré quelqu'un à l'intérieur qui nous a dit si on voulait, on peut l'accompagner. Je sais pas si ça a une importance, gauche ou droite. Bon, de toute façon, on va bien explorer l'île de Fer. On va essayer de tout récupérer. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que bah, pour ceux qui continuent de regarder le Let's Play sur YouTube, que ça vous plaît. En tout cas, moi, l'aventure me plaît plutôt pas mal. Je l'apprécie beaucoup plus que l'aventure Pokémon Épée. On va regarder un petit peu les différents combats qu'il va y avoir. On va en faire 3-4 et après j'utiliserai une max repousse. On fait un combat s'il te plaît? Ça me changera les idées, ce pique-nique est si ennuyeux. Comme par hasard, c'est un Raichu. J'aurais dû faire choc mental comme un idiot, mais... Quoique ça va passer. Vous avez battu pique-nique Séverine. On ne va pas gagner si on s'amuse comme ça. Ah, il y a une espèce d'ascenseur et il y a des Pokéballs que j'ai raté. Enfin, des objets en tout cas. On va utiliser une max repousse après le combat, comme ça on sera tranquille. Ça va, 21 max repousse, je suis tranquille, je pense, pour un bon moment. Carte sortie. Oh, pareil, la musique est plutôt sympathique. Ok, non, c'est bon. Mmh.
Le héros de la classe ouvrière te salue. Ça va, le surf fait quand même pas mal de dégâts, ce qui est plutôt cool. Par contre, je vais changer de Pokémon. Je vais envoyer Simabras. Ok, on a battu Simabras. On a battu Magnéti avec Simabras plutôt. Hop. On a vu la petite Pokéball là. Un élixir, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant à récupérer. Mince, repousse se dissipe. Désolé. Ah mince, faut que je refasse le tour. Comme je vous l'ai dit, hein, je vais vraiment tout explorer. Hein, donc, j'aurais dû changer parce qu'il va y avoir des magnétis, je suppose. Je vais vérifier que les ascenseurs sont, sont sûrs tout en t'affrontant. Ok. Ah non, Stylix. Enfin, quoique Stylix, il est pas roche, il va être juste acier, je pense. Ah si, il doit être roche, acier. Oh, le 1500 points d'XP qui fait plaisir. C'est ok, il me paraît sûr. Que de faire? Pourquoi me faire venir par là s'il n'y a rien? Ok. Allons de l'autre côté. Ça, c'est le bonhomme qu'on avait vu à l'entrée. Content de te revoir ici, Ryu. Faisons équipe, les Pokémon ont l'air agités ici. Ryu décide d'accompagner Armand. Si tes Pokémon se font blesser, je les soignerai. Tu vas connaître la terreur de mes poings et de mon style karaté. Si je te bats, ce sera ma 100e victoire d'affilée. Alors, battons-nous. Ok, combattons. Surf, ça cible les deux. Ah, ça cible Lucario aussi. Ce qui est très con. D'accord. Je pensais que Charmina était de type combat, mais apparemment non. Karateka Koichi et combattante Allison ont perdu. Je suis désolé, je me suis trop hanté, pas vrai?
Non, non, non. Et non. Comment ai-je pu perdre? Allez, donnez-moi vos sous. Alors, j'ai vraiment envie d'explorer toute la zone. Et là, il n'y a rien à récupérer. Il y a une Pokéball. Enfin, à chaque fois, je dis une Pokéball, mais des objets, quoi. Puis il y avait du monde là-haut. Tout bon montagnard a une flambée d'énergie quand il est entouré de rochers. Waouh, je vais m'occuper de toi, il faut que j'évacue cette énergie. Quand on est en montagne, un combat est la meilleure façon de dire bonjour. Bah non, la meilleure façon de dire bonjour, c'est juste de dire bonjour tout simplement. Tarinor et Gravalanche. J'ai bien envie de faire surf, mais... Ah, vibre à quoi ça le fait sur. Non, je pense que ça le fait que sur Gravalanche. J'ai l'impression que ça ciblait un peu tout le monde. J'aime beaucoup Lucario aussi, je sais plus dans quel film il était, mais. Bien joué Lucario pour la vie attaque. C'est vrai que là il y a une intelligence artificielle qui est plutôt cool. Parce que avant ils auraient peut-être pas utilisé vive attaque alors que là bah, il achève le Pokémon juste parce qu'il lui reste peu de points de vie, il fait vive attaque. Il cible le bon Pokémon. Et petit à petit, à quoi quoi qui va, il va se rapprocher du niveau 43, 44. Voilà. Psy coup de boule. Bon, on va voir déjà ce que c'est, psy coup de boule. Je ne connais pas. Par contre, ça manque de précision, mais ça peut être pas mal. Mais le problème c'est que j'ai flash que je ne peux pas effacer. Enfin en tout cas je ne crois pas. Je vais essayer d'effacer flash mais je pense que je vais être bloqué. Ah non flash c'était une CT, c'est pas une CS. Oh le boulet. Ouais, j'espère que je pourrai en racheter ailleurs. Ah, j'ai pas pensé que c'était une CT Flash. J'étais persuadé que c'était une CS. Bah, j'espère vraiment que j'en aurais pas besoin. Bon, je crois que ça améliore les stats des Pokémon acier. Eh, hey, ce n'est pas un terrain de jeu ici. Si tu as envie de jouer, bats-toi.
les membres de la reine de Jolie Berge utilisent ce lieu pour s'entraîner. On les a tous battus, les membres de la reine. Ok, les ouvriers ils veulent se battre. Rakayu et Magnéti. Ah non, j'ai vraiment fait l'idiot. Ok, apparemment je peux la racheter quand même au centre commercial. Ça c'est vraiment intelligent, enfin, l'intelligence artificielle elle est bien faite là-dessus. J'ai déjà dit il y a 2 minutes, mais je trouve que c'est bien fait que Lucario il achève le Machoke. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je devrais peut-être aller à l'arène pour m'entraîner. Tu devrais peut-être, effectivement. Potion max, ok. PV plus. Ça, je vais les mettre à Simiabraz. Ok, il faut qu'on fasse tout le tour. Ce qui est dommage, c'est que là, il nous bloque la route. J'avais tout récupéré. En plus, je viens de m'apercevoir que j'avais un raccourci quand même. Si nous battions, tu deviendrais un meilleur dresseur. De la même manière, mes Pokémon deviendraient plus puissants. Tout le monde serait gagnant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Des Pokémon forts, des dresseurs puissants. Dis-moi, je pourrais trouver un lieu aussi bien que celui-ci pour m'exercer. Le pain. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à un lapin, c'est... Ça fait vraiment pas grand chose, même si ça met la trouille. Salut Clems, comment tu vas? Ok, Aquaquac niveau 45. Cool. Ça avance, ça avance. Ah, je vais bien aussi. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous.
Bon, comme tu vois, j'ai quand même pas mal avancé dans l'aventure. Je sais pas si t'avais continué de suivre de loin ou pas, mais. Là, je suis à l'île de Fer. Si je fais surf, ça va toucher. Le problème, c'est que ça touche Lucario en même temps, quoi. C'est ça qui est relou. Ouais, j'avance. Bah, j'avance à mon rythme, mais on avance plutôt bien. C'est plutôt pas mal. J'ai fait l'idiot sur Lucario. Du coup, ouais, je me balade dans les îles de fer. Vu que j'avais rencontré un bonhomme qui m'avait dit, tiens, accompagne-moi, je pense que c'était la bonne idée de le suivre. En même temps, ça nous fait de l'expérience pour les Pokémon, donc je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, je pense que tu vas pouvoir me rattraper facilement parce que normalement je pars en vacances à la fin de semaine donc j'aurai pas trop le temps de pas trop le temps de jouer. Pour ça, je vais sûrement pas mal avancer dans l'aventure déjà aujourd'hui. Je vais pouvoir streamer un peu plus tard que d'habitude. Mais je pense qu'il y a des chances que tu me rattrapes assez rapidement. Après là tu vois j'ai toujours le doute de savoir si je garde mon aquaquac ou si j'en change. D'accord, ouais, pas de soucis. Et le Étouraptor pour finir. Mais je pense que oui tu vas me rattraper assez vite dans l'aventure. Parce qu'en plus moi je prends mon temps, je me balade, j'essaye de récupérer un peu toutes les Pokéballs. Enfin tous les objets du moins. Après j'ai pris du temps pour entraîner mes Pokémon. C'est exactement ça. Là je crois que j'ai 6 badges déjà, si j'arrive à en avoir un 7ème ce soir, ça pourrait être pas mal. Je vais mettre Étouraptor en leader, mais je suis pas sûr que ce soit le choix le plus judicieux. Ça va, j'avais plein de max repousse, mais on en utilise pas mal. Faudra que je pense à racheter la. Ah ouais, membre de la Team Galaxy, tiens. Il faudra que je pense à racheter la CT Flash. Je comprends maintenant. Si les Pokémon sont agités, c'est à cause de vous. Je me fiche des raisons de votre présence ici. Je veux juste que vous laissiez ma mine tranquille. Nous sommes la Team Galaxy. On peut prendre tous les Pokémon qu'on veut. Pas vrai, partenaire? Et comment qu'on peut? Et c'est bien ce qu'on va faire. Tous les Pokémon de cette vieille île de fer rouillée sont à nous. Ensemble, dans la joie comme dans la peine. Voilà comment vivent les Pokémon et les dresseurs de Sinnoh. Je ne vous laisserai pas piétiner ce grand principe. Avec moi, Ryu, donnons-leur une leçon. Salut Baku, ouais, ça avance tranquille. Ça avance à mon rythme. Là, je dois avoir 6 badges et je suis à l'île de fer. Comment vas-tu, Baku? Mais Lucario, j'aime beaucoup. Ce que je disais un peu avant que vous arriviez, je sais plus dans quel film il est, mais à l'époque j'aimais beaucoup déjà dans le film. Ouais, je vais bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de stream, un peu plus d'une semaine, voire peut-être même une dizaine de jours.
Donc là j'en profite un petit peu, en plus ce soir je peux streamer un peu plus tard donc Ok bah je... Enfin XY je les ai pas encore fait donc ce sera l'occasion de découvrir plus tard. Il reste un point de vie à chaque fois quoi. Mais ouais, Tour Raptor il est quand même très fort. C'est un peu dommage qu'il ait pas un deuxième type. Enfin, il est normal et vol quoi. Qu'il ait pas un autre type particulier parce qu'il serait vraiment bien plus intéressant. Mais ouais, alors si je me rappelle bien, c'est mes vieux souvenirs des films Pokémon. Pour moi, il y a un film où il y est Lucario, mais je sais plus lequel. Mais je trouve qu'il est quand même sympa le design, etc. Mon Étoraptor, il lui manque une attaque un peu normale ou d'un autre type. Bon après c'est peut-être parce qu'il est dans l'équipe de Sacha et puis je l'ai vu à un moment donné mais niveau 41 pour Étoraptor, hâte, on s'en moque, ça m'intéresse pas. Ben alors, oui, il arrête d'apprendre hâte. Malos. J'aimais beaucoup le design aussi de Malos et Démolos. Enfin, en général les Pokémon chiens sont plutôt bien réussis. Enfin, en tout cas, moi je les aime beaucoup. Sbire Galaxy et Sbire Galaxy ont perdu. J'ai envie de pleurer, mon cœur saigne. Ils sont trop puissants, quelle équipe de choc! Stop, pitié, votre équipe est trop forte. Vous deux et vos Pokémon, on se tire, partenaire. Ouais, et vite! On sait rien des plans de la Team Galaxy, de toute façon. Je te donne une fière chandelle. Écoute, j'ai un œuf de Pokémon ici. Tu voudrais bien le prendre avec toi? C'est gentil, mais tu n'as plus assez de place pour un autre Pokémon. C'est pas grave, je vais t'attendre ici. Oh, il faut que je retourne le... Bah, alors, tu vois, ça me dit un truc dans les films, mais j'ai pas l'impression de l'avoir vu celui-là. Pierre éclat. Ça fait pas évoluer un Pokémon ça, Pierre éclat? Il n'y a pas un petit ordinateur là dans la maison par hasard. Et non. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Jolie Berge. Oui, notre rival, il voulait qu'on obtienne la CS Force. Roselia, je vais te déposer. Ne m'en veux pas. Ouais, je pense que le huitième film, je pense pas l'avoir vu. Enfin, il y a plein de films Pokémon que j'ai pas vu. Puis l'animé, ça fait tellement d'années aussi que j'ai arrêté. On va faire autre chose. On va aller au centre commercial. Ah ouais, ok, bah je vais le faire juste après. Enfin, je le ferai dans le prochain épisode. Centre commercial, c'est à Voilaroque, si je dis pas de bêtises. Alors, quel Pokémon je peux faire évoluer avec la pierre éclat? Ça m'intéresse bien de savoir. Déjà Roselia. Alors, il faut que je retrouve l'étage des CT.
Hop, ça c'est bon. Je vais juste. Bon, je sais pas à quel étage se vendent les CT, mais. Comme ça, on va redescendre. Ok, donc moi j'ai que Roselia qui peut évoluer avec la fleur dans les 4, donc ça me va bien. Ok, là ils vendent pas de CT. Est-ce que tu vends des CT toi? En fait, je cherche la CT Flash parce que j'ai bêtement effacé sur mon Aquaquack. Et je ne sais pas si ça sera utile plus tard, donc. Je préfère racheter une CT Flash, une ou deux CT. Je vais en prendre 3. On sait jamais si je fais 3 fois l'idiot. Ouais, c'était une bonne question. Belle intervention, Baku. Je reprends l'ascenseur pour retourner au rez-de-chaussée, quoi. En mode boulet, grosse feignasse. On met plus de temps à descendre avec l'ascenseur qu'à y aller à pied, mais. Pokémon. Et Tauraptor vole jusqu'à. Jolie berge. Et YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch, on va continuer bien entendu. YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!